Eh bien, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vérifier l'iCloud dans un téléphone. Donc, comment vérifier si il y a l'iCloud dans un téléphone avant de flasher un téléphone. Donc, si le client ne connaît pas l'iCloud, voilà la possibilité pour regarder s'il y a l'iCloud à l'intérieur. Donc, avant tout, vous allez avoir besoin du logiciel 3Tools. Donc, si vous n'avez pas encore le logiciel 3Tools, vous allez juste aller sur Google, taper 3Tools. Ça vous sortira le lien du site de 3Tools. Donc, d'où vous allez télécharger le logiciel 3Tools. Donc, je vais débloquer sur mon logiciel 3Tools. Je vais laisser le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Donc, là, mon téléphone est connecté en recovery mode. Donc, c'est un iPhone 6. Si vous ne connaissez pas comment mettre votre iPhone 6 en mode recovery, vous allez d'abord éteindre votre téléphone. Dès que votre téléphone est hors tension, vous allez appuyer sur le bouton Home puis brancher votre connecteur. Donc, maintenez juste le bouton Home et puis vous allez voir le logo iTunes apparaître. Donc, ce qui veut dire que votre téléphone est en mode DFU, donc en mode recovery. Donc là, je vais brancher mon câble USB. Donc, c'est un iPhone 6. Ici, ce qu'on va faire, on va prendre le serial number. Donc, vous allez juste appuyer ici. Là, il a dit serial number copier. Donc, on vient déjà de copier le serial number. Vous allez maintenant venir sur votre navigateur Google. Donc, ici, sur votre navigateur Google, vous allez écrire, vous allez rechercher check iCloud. Donc, vous allez rechercher check iCloud. Donc, vérification de l'iCloud. Ici, ça va vous sortir plusieurs sites qui va vous permettre de vérifier si il y a l'iCloud dans votre téléphone. Donc souvent prenez les trois, donc parmi les trois premiers sites que je vous montre ici. Donc moi je vais prendre celui-là. Donc on va maintenant coller le serial number qu'on vient de copier avec le logiciel 3Tools. Donc c'est à travers le numéro de série qu'on va déterminer. Donc, on va vérifier s'il y a l'iCloud dans notre téléphone. Donc, on va maintenant coller ça ici. On va appuyer sur coller. Puis, on appuie sur recherche. Donc, on va vérifier notre iPhone. Ce qu'on appelle par le check. Donc, là, il fait la vérification ici déjà. Ici, vous allez voir ici. Donc, il nous donne toutes les informations du téléphone. Donc, si je peux le traduire en français, vous allez voir. Ici, ça me montre que l'appareil est enregistré. Donc, ce qui veut dire que il y a l'iCloud à l'intérieur. Donc, si ici était non, mais si ici était off, ce qui veut dire qu'il n'y a pas l'iCloud. Mais si c'est on ou bien oui, ce qui veut dire qu'il y a l'iCloud à l'intérieur. Donc après le flash avec notre logiciel 3Tools, avec notre logiciel 3Tools, après le flash, ça va vous demander un compte iCloud. Donc ici, si vous voulez flasher votre téléphone, vous allez juste appuyer sur go to flash. Ici maintenant, vous allez télécharger le firmware, donc le fichier, donc le firmware de cette téléphone 6. Donc on vous donne directement la version qui est disponible pour ce téléphone. Donc si vous voulez aussi exporter, si vous avez déjà téléchargé ça dans leur site officiel des téléchargements des firmware des iPhones, d'où je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc dans les vidéos qui suivent, je vais vous montrer comment flasher les téléphones iPhone. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié de mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se retrouve pour une autre vidéo. Bye bye.